baluba tola muka. Na singi na baluba tola muka. Mais ce qui totali bien na Congo batu batanga mingi baza baluba. Mais sa contribution à l'empire français de l'époque est restée de l'encre indélébile. On parle de code de loi napoléonienne. Yo aussi oti loi nini. Baluba pe basi ati loi nini o échanger Congo. Quand tu vas en Israël, bien que je n'aime pas l'Israël, tu vas rencontrer leur premier président, leur va créer nation abongo ya muyibi ya Israël o bino va passer baluba bolinga to adorer. L'État d'Israël qui n'a jamais existé, ça n'a existé que dans la Bible, en 1945, leur premier président, David Ben-Gourion. Mais c'était un pygmée. Tala yango, tala pe photo noé, na Google pe na ba book mingue komama. Mais il a marqué l'histoire du monde et de son peuple. Mais zaki mukuse boyneti vero yo. Yo si omona mao, azali mukuse we. Petit oyo azali na Corée du Nord, Kim Jong-un. Bien qu'il y a 20 000 boumouboué. Est-ce que mon état est? Est-ce que ça m'a l'aise à 1m80? C'est juste pour te dire que tu n'es pas différent de Stervos Niarchos. Tu n'es pas différent de Papa Wemba et Papa Wemba. Je parle de Papa Wemba à côté de Mabé et Bilamba. Mais d'autre côté, Papa Wemba c'est un homme intelligent, un homme que je respecte, etc. Mais toi, tu parles de la mode. Tu penses que la mode, Bilamba ou Tuzo Kulata, c'est ce qui va libérer le Congo? Ça fait combien de temps que les Congolais sont bien habillés? Mais nous ne sommes nulle part sur l'échiquier mondial. Du point de vue développemental, nous ne sommes nulle part. Ce qui est au Taliban, photo à Kasavubu, il y a président Kasavubu à l'époque. Les lots sont là, tu as un filage, tu as un filage, awa. Mais ce qui est au photo à Kasavubu, au moins, il y a un pantalon, awa. Donc, aza premier kitendiste, koleka yo, koleka Niarchos, koleka Papa Wemba, na koleka Bamususu, na koleka Biso. Ça contribue à quoi? Na identité nationale à Biso. Ça contribue à quoi? Bilamba, tu parles de Bilamba que toi tu as appris aux gens à vous habiller. Au Congo, il n'y a aucune usine textile. Au Kasaï, il n'y a aucune usine textile. Vous produisez quoi au Kasaï? Et dans d'autres provinces. Mais à l'époque belge, coton partout. Le Kasaï produit quoi? Le Baluba produit quoi? Même leur mouboutoyer, abomi ba agriculture nyoso, partout, comment que djalelo? Vous produisez quoi? Vous qui êtes les premiers à vous habiller, bolakisi batokoma kolata. Dites que les Baluba ont inventé le textile Oyekena à travers le monde. Nothing. Dites que les Baluba ont produit, les premiers à produire la cravate Oyekena Mokilibomba. Nothing. Vous n'avez pas produit ça. Tu ne t'es pas arrêté là-bas. Au lobby, Baluba, Bazali, Batu Alibuso, Batanga na Congo, Batanga Mingi. Mais écoutez, il faut arrêter là-bas. Hein? Toi, tu as des statistiques. Les statistiques qui sont Baluba, Batanga Mingi, Kolekabatumonsusu, et Zali Wapi. Oui, nous connaissons ce qui se passe au niveau des universités. Nous connaissons. Je ne veux pas entrer dans ça maintenant. Nous connaissons ce qui se passe. Mais bozala batomingi o botanga to botanga te, ça a produit quoi au Congo? Dites-nous, ça a produit quoi?
Vous avez inventé des voitures. Vous avez inventé des avions. Vous avez inventé des bombes. Mais les diplômes, tout le monde peut aller au coin de la rue et imprimer un diplôme. Et il va se pavaner à travers le monde qu'il est PhD, il est ceci et cela. Ce n'est pas ça qui compte, mon frère. Zonga Sima, talaba intellectuel mingi yakala. Il y a Amérique, il y a Angleterre, il y a Europe en général. Mingi bakenape musique à l'université. Ils ont inventé. Il n'avait pas de doctorat. Monsieur Karl Benz, l'Allemand dont la Mercedes fait la qualité de la construction de voitures à travers le monde. On l'appelle ingénieur, mais il n'est pas allé à l'université pour apprendre ce qu'il faisait. Sa voiture domine toutes les voitures du monde. C'était un temps simple, artisan, derrière la maison. Monsieur Bata, le Yougoslave, propriétaire et compagnie Bata. Il est mort il y a 10 ou 9 ans au Canada, en exil. C'était un simple artisan qui prenait les peaux d'animaux et il découpait les pneus de voitures et de vélos pour fabriquer des chaussures. Lelo Akufa. Société nae ekenda mokili mobimba. Et les exemples sont légions. Des gens qui ont inventé et qui ont laissé leur marque dans le monde. Ce ne sont pas des papiers que nous avons. Ok, par-ci, par-là, tu as une licence, tu as un graduat, tu as un diplôme d'État. Tu reviens dans la cour et tu commences à raconter des salades. Nos diplômes produisent quoi? Ça, sans doute, je ne vais pas rabaisser ça, mais ça produit quoi? Quand tu vas en France, tu vas voir des chimistes tels que les Lavoisier. Est-ce que c'est un doctorat? Est-ce qu'il s'est vanté comme toi? Oui, quand tu vas en Allemagne, tu verras les Juifs, Karl Marx qui a écrit le livre de référence Le Capital, qui est la source du socialisme. Oui, lui, à 22 ans, il était déjà docteur en philosophie. Et il a laissé quelque chose. Toi, tu as laissé quoi? Tu as écrit quoi? On ne te connaît pas. Qui te connaît? Toi. Tu viens crever l'écran avec des salades? Tu connais quoi, toi? Tu as écrit quoi? Tu as inventé quoi? Même pas une aiguille. Tu as inventé quoi? Veste aux anango, ils aïeote, ils aïeote. Bah, sapate aux anango, ils aïeote, ils aïeote. Bon, yo, on l'a dit que, bah, l'ouba, bah, la qui s'en va tourner en Europe. Europe, ils aïeote, yango ne l'ola. Ce qu'on a en Europe, au coup, faté. Pourquoi ceux-là qui sont allés en Europe ne transforment pas l'Afrique? Mais par contre, Bokena Poto, c'est le sexe, c'est la musique, c'est la bière, ce sont les habits. Et après, vous mourrez, vous revenez dans des cercueils. Ceux qui sont chanceux sont enterrés là-bas. Mais ce qui Mundele a tendu de copier bâtonner ailleurs, c'est pour aller apprendre quelque chose. La plupart des Congolais ont été soutenus, supportés par les bourses gouvernementales. Dans l'espoir qu'en revenant, ils vont transformer la société congolaise, comme cela a été fait dans d'autres pays. Les Asiatiques, les Japonais, les Indiens envoient leurs étudiants aux États-Unis, à Californie, pour étudier là dans les Silicon Valley. Et quand ils rentrent chez eux, ils inventent des bombes, ils inventent l'électronique. Mais nous, je te rappelle, très cher frère, à faire une introspection et à faire mea culpa devant la population congolaise. Ce n'est pas ce moment ici.
où tu dois nous parler de Balouba, tu vas nous parler de Bakongo. C'est pas ça. C'est terre à terre, ça. Écoutez, le destin a fait que nous soyons tous dans un même périmètre. Nous sommes le même peuple, qu'on le veuille ou pas. Aujourd'hui, on a peut-être sœur Nayo Babalaye na Mukongo. Peut-être Babalaye, ce que vous appelez les Baswahili. Peut-être Babalaye. Comment est-ce que tu peux te comporter de cette façon, toi qui te dis tu es intellectuel, mon frère? On me l'a qui Diamba, on me l'a qui whisky. Qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu sortes à l'écran en tant que porte-parole d'un parti qui se veut national et nationaliste? This is bullshit. Comment tu viens rabaisser nos frères Balouba comme ça? Moi, je côtoie des Balouba qui sont intègres, qui sont humbles, polis, bien maniérés, qui ne sont pas insolents comme toi. Tu vas gagner quoi dans tout ça? Oui, Bangala va piller pays pendant 33 ans. Bakatange va piller pays, je ne sais pas, pendant 20 ans. Mais qui travaille avec Mobutu? Mais c'est ce de Balouba, non? Qui était la plupart des PDG de sociétés du Congo à l'époque? Nous pouvons les énumérer, ce sont de Balouba, non? Tous, le premier ministre, c'était Balouba, non? Comment tu peux accuser les Katangais et accuser les Équatoriens qui sont Babébi Simbok? Nous ne devons plus aller derrière là-bas. Nous devons amener une philosophie de la correction. Nous devons corriger ce qui s'est passé, condamner ceux qui ont fait du mal, parce que réellement nous devons les condamner et les punir, sans quoi notre société ne va jamais changer. Et non pas venir avec des propos enfantins, terre à terre. Tu vas insulter les Congolais qui ne se lavent pas? Heureusement que tu as parlé sans lingala. Qu'en est-il d'autres gens, ceux qui m'ont dit que je suis en France, surtout en anglais, que les Congolais sont en train de se laver? Ça va, hein? Les Congolais ne se lavent pas, nous ne nous lavons pas, donc ils ne peuvent pas se laver. Nous, on ne se lave pas. C'est ta maman qui t'a appris à dire des choses comme ça devant les gens. Il faut que cela cesse. Tu te dis que tu es intellectuel, fais un effort d'être sobre quand tu tiens un micro, quand tu es devant le public. Sois sobre et parle des histoires sensées. Ne viens pas avec des histoires terre à terre. Je répète ce terme. C'est terre à terre. Ce n'est pas digne de quelqu'un de ton âge, de quelqu'un qui se dit intellectuel. Ça fait très mal. En ce moment, nous devons nous unir. Les Kasaï, d'abord, les deux, ce sont des provinces enclavées. Où vous avez du mal à être en contact avec d'autres gens. Si l'on doit parler de l'enclavement d'un territoire. C'est pas comme ça. Le Kasaï a besoin de tout le monde. Et tout le monde a besoin de Kasaï. Notre destin est scellé, qu'on le veuille ou pas. Oui, nous savons que les grands traîtres, c'est vous, les Kasaïens. Tshibala, Sami Badibanga, Étienne Tshisekedi, et son fils qui te soutient. Toi qui te dis que tu es son porte-parole. Tu dois être le porte-parole de quelqu'un qui est normal. Pas un terre à terre. Tu n'es pas un Moulouba, tu es un Congolais. C'est ça l'identité nationale. Tu as le droit de vivre partout. Et moi, ton frère, j'ai le droit de vivre au Kasaï. Je ne veux jamais discriminer contre toi. Tu dois cesser avec ces propos et chercher à t'intégrer dans le creuset national. Parce que le Congo appartient à nous tous. Vive le Congo de Lumumba. Vive notre Congo.
et que tu changes ta mentalité afin que tu sois et que tu demeures désormais un Congolais avec K. C'est ton compatriote, Djemadar Vibikil Kilele. Bandeko, Oyozali, Eteni Ami Balé, Yamalo Banangaï. Na krobana mokuse a propos ya boponomi oyo bazoko programé na Congo eloko moko na lingi bino boye bake boponomi e ko sala maté a preuve de contraire ça peut mais moi je dis et je sais e ko sala maté mpe Martin Fayulu Shadari et Félix Tshisekedi Namu Yibi Nandoki wana Caméléon Camera Camera Botika Kokosa Batu Bouyebi très bien que élection est kosala maté Bouyebi yango mais Bozoko loko bato, botia bango na kati ya euphorie, ya atmosphère électorale. Élection ekosala maté. Mpo ntango esiele ki lelo tozali le 7 it. Bozala kalekil, bobie ko bana le 23. Bozike na combien de jours? Combien il y a un candidat au bazar na ba moyen et bino oyo ba kokende na ba province nyoso ba tobayi babango. Il y a des élections, enfin il y a des candidats qui noient seulement ba kosukila kaka na 4 na 24 soki 24 zones ya Kinshasa ba yibi bango nulle part. On a des élections te pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de moyens. À part ça, il n'y a pas de route au Congo. Pendant les 22 ans ou les 20 ans d'occupation, le régime actuel n'a rien fait. À part que la démocratie, bah même la démocratie, démocratie ni. Nous n'avons pas besoin de la démocratie au Congo. La démocratie, c'est une chanson de naïfs. Nous avons besoin du nationalisme qui doit amener le progrès au Congo. D'ailleurs, yo nanga bientôt ko kima. Na yebi que bientôt ko kima na ambassade moko. Je suis au courant. Bientôt ko kima. Je suis au courant. Nanga ko kima. Kamere Félix na Fayulu. Boti kako tungi saba kongole bipa inyoso bozo kende ou bozo kumi betantolo ou bozo kosala plein à plein. On n'a pas besoin de plein à plein. On a besoin de vide na vide. Pas plein à plein. Bande konanga ba kongole boycotte les élections parce que les élections ne vont pas nous amener la paix ni la démocratie na mboka na biso. Awa na lingi ko relayer ndeko na biso leki na ngai Daniel Safu oyo alobakake bango tu basi bameli supu ya ndakala na supu ya ngulu tous ont trempé. Il n'y a aucun saint parmi eux sauf ndeko na ngai Valentin Moubake, oyo alongwaka avant. Amonake danger, alongwe avant, mpe adenosa kango a mobali. Ba mususwana, ba mela soupu yandakala. Ba si ba mela soupu yandakala, bango tout. Même Fayulu, il ne peut pas nier ça. Mpo soka alingito ba nakobimisa ba dossier to kobimisango. Ce n'est pas son cursus. Il y a curriculum vitae na yeke asala na mobile asala ki directeur passi par là asala, c'est pas ça. Nous avons besoin des hommes intègres qui n'ont pas trempé.
Fayulu ozali garçon de course ya Azarias Ruberwa. Et Azarias Ruberwa, c'est le représentant de Kagame. Kanambe, c'est juste un paravent. Joseph Kabila, c'est un paravent, mais c'est lui qui administre le Congo. C'est Azarias Ruberwa qui reçoit des ordres directs de Kagame. Yo, que n'est que partout dans Washington, tout le monde a yo. Yo, na Azarias Ruberwa. Yo, Fayulu. Au courant, on a le 11 novembre, na Genève, na kati ya salle, oye wakene ko sala mascarade na bino, ya vote. Mundele moko azalaka wana. Molai, un peu longiline, il s'appelle Rolf Meyer. Na yibiye po na sina kuta na epe na sina mela na ye, na kati ya hotel moko, na Afrique du Sud. Ce type a participé à la rédaction de la constitution sud-africaine dans les années 1990-1994 avant l'élection à Bango et avant l'indépendance à Bango. À un certain moment, il a été membre de l'UDM, United Democratic Movement. Il y a général Bantou Olomisa, en Afrique du Sud. Bantou Olomisa, Azalaki, président. Il y a état moko en Afrique du Sud, à l'époque on appelait ça les Bantoustans. Transkai. Bon, il s'est brouillé il n'y a pas longtemps avec son président du parti. Je ne vais pas dire de quoi est-ce qu'il s'était brouillé. Mais bon, on a qui a tenu Miwana a commis parmi les négociateurs. Nakati ya ONG. Il y a gagné on a hôtel Kokoufa. Nani Kofi Annan. On vient vous donner. Mascarade. Mais Kofi Annan Azalaki contre le Congo. Quand il était encore en vie, il était contre le Congo. Rolf Meyer, c'est quelqu'un qui cherche seulement l'argent. Comment se fait-il que chaque fois que nous avons un problème, nous allons ramasser n'importe quel cancre là pour devenir un médiateur dans le cas de problème? Est-ce que vous avez vu Moutouana Azalaki? C'est quelqu'un qui cherche l'argent.